Bonjour, c'est Cyprien. Il y a quelques jours, on m'a proposé d'aller faire du Vélib dans Paris. Moi, faire du Vélib? Non, mais c'est un truc complètement naze. Le Vélib, c'est un truc de parisien, ça. Moi, je suis... Moi, je suis pas adepte du Vélib. Jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo. Ah bah d'accord, là je veux bien faire du Vélib, oui ok, oui, je suis même motivé, hein. Sauf que encore faut-il réussir à prendre un Vélib. Choisir son type d'abonnement, choisir sa durée d'abonnement, valider les conditions d'utilisation, payer 150€ de caution, taper le code de sa carte bleue, choisir un code pour retirer son vélo, valider le code, prendre son ticket, choisir le retrait d'un Vélib, taper le code pour retirer son Vélib, valider par SMS, passer le scanner rétinien, répondre à une énigme. Bon, j'exagère à peine. On doit valider 2 SMS. Et une fois que t'as enfin ton Vélib, tu peux utiliser cette magnifique invention de l'homme moderne, la piste cyclable, qui, je le rappelle, est utilisée par 2 types de personnes. D'abord, les cyclistes, et les gens qui marchent dessus, qui te font chier parce que tu rentres dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui marchent dessus? Pourtant, c'est indiqué, hein, à quoi pensent les gens quand ils se promènent sur la piste cyclable, quoi. Elle est sympa, cette petite allée. Y'a personne dessus. Les gens sont cons de marcher à côté. Tiens, c'est quoi ce logo? On dirait une bite. Il n'y a pas que les piétons que tu te prends sur la piste cyclable, il y a aussi les voitures mal garées. Et ce que je préfère, c'est les autres cyclistes qui roulent en sens inverse. Oui, parce qu'il y a des sens sur les pistes cyclables, c'est indiqué. Là, c'est pareil. À quoi pensent les mecs à ce moment-là? Ah, elle est sympa, cette piste cyclable. Tiens, c'est quoi ce logo? Ils ont fait un cycliste à l'envers. Qui sont cons? En plus, on dirait une bite. Et quand tu te prends pas des piétons, des voitures ou d'autres cyclistes dans la gueule, quand tu penses enfin être en sécurité, c'est la piste qui commence à te faire peur. À un moment, j'ai dû utiliser une piste, je vous jure, hein, qui passait entre la voie des voitures et la voie pour les bus. C'est-à-dire l'endroit le plus dangereux du monde. Le mec qui a eu cette idée devait détester les cyclistes. Bon, écoutez les mecs, j'ai une idée. Quand on sait plus où mettre cette piste cyclable de merde, on la fout entre les bus et les voitures. Comme ça, quand ces blaireaux de cyclistes vont éviter une voiture sur la gauche, ils se font écraser par un bus. Alors? C'est cadeau. Arrêtez. Mais bon, miracle, je suis toujours en vie, les gens avec qui j'ai fait du Vélib aussi. D'ailleurs, si vous faites du vélo avec quelqu'un qui va moins vite que vous, petit conseil, mettez-vous derrière. Aurélie? Aurélie? Je l'ai plus jamais revu. Continuez à rejoindre ma page Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux. Même si je sais que la moitié des gens sont des faux profils créés par ma mère pour me faire plaisir. Arrête, maman. Enfin non, continue, s'il te plaît. Et pendant que vous allez sur mon blog pour voir toutes mes autres vidéos, moi je vais m'asseoir un peu après une longue journée de Vélib avec une selle qui fait bien mal au cul.